vraiment, j'espère que vous allez bien. Nouvelle petite vidéo, donc je suis vraiment désolée pour le retard à chaque fois sur les vidéos, franchement. J'avoue que la vidéo, elle date d'il y a longtemps, ma dernière vidéo, et j'en fais très peu, et c'est un peu nul, on va pas se le cacher, mais je n'ai pas d'idée. Du coup, pour sortir une petite vidéo, je vais vous montrer comment je nettoie la cage de Volt pour celle-ci. Donc j'ai encore son ancienne, mais c'est pour vous montrer celle-ci, il y aura des changements. D'ailleurs, je vais lui acheter une nouvelle litière, donc je vais vous le mettre juste sur le côté. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me poser des questions sur la cage si vous avez besoin. Et puis sur la roue de Volt, alors il y a eu un problème. En gros, il y avait un truc qui se déboîtait. Du coup, je sais pas, j'ai collé et tout et ça pouvait plus rouler. J'étais obligée de retirer ça. Du coup, voilà. Mais je vais faire, là je fais des petits terriers et tout à mon hamster. Je vais vous montrer tout ça. C'est parti, let's go. D'habitude, je nettoie la cage de Volt dans le salon. Mais là, vu que je tourne une vidéo et que je veux pas qu'il y ait de bruit, je le fais dans ma chambre. Du coup, ça sera le bordel. Et puis bon, en même temps, je pourrais faire un peu le ménage dans ma chambre, même si c'est déjà très bien rangé. Et du coup, j'ai ramené tout le matos. C'est parti. Du coup, on va commencer par retirer les biberons et tout. Et retirer le surplus. Du coup, pour commencer, en gros, je vais soulever ici et ici. Et je soulève, mais après, je vais virer tout ce qu'il y a ici. Non, je vais virer tout ce qu'il y a là. Donc, la gamelle, ça, donc ceci, bon ça c'est ses nouveaux jouets mais elle joue jamais avec, ces petites carottes où j'en ai racheté mais elle grignote vraiment que ça, genre que les petits bouts, après son tuyau. Donc franchement il est vraiment pas cher, il est trop génial son tuyau, je le recommande à fond, la caisse. Une fois que j'ai fait ça, je vais soulever. C'est parti, je vais soulever, donc hop, je vais virer mes chaussons. Et donc là, en fait, je ferme et je soulève comme ça. Hop. Mais il faut que je fasse attention parce que... Ah non, cette fois non. La planche de bas, à chaque fois, elle se casse la goule. Et c'est très chiant. Je pose la cage là et après, je vais chercher Volt. Donc là, je vais chercher Volt. Donc, elle est derrière sa roue. Donc voilà, je retire un peu tout. Ah, il y a ça encore, mais voilà. Ma petite Volti, elle est là. Oui, ma fille. Hop. Elle est toute chaude, regardez. Attendez, oula. Parce que je vois pas si c'est les retours caméra, vu que je filme avec mon téléphone. Voilà, elle est trop belle. Ou grâce à cette cage-là, pour pas qu'elle s'ennuie en fait. Moi, j'ai juste à la poser à l'intérieur avec sa petite roue pour pas qu'elle s'ennuie. Hop là. Et puis après les cacas, je vais les virer, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, pour vous montrer un peu comment je fais. Attendons, elle va s'amuser un peu. Et nous, on va retirer ici. Oh là là, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Là, je vais retirer. Bon, sa gamelle, en fait, il n'y a pas besoin. Je peux la vider dans la litière. Après, bien sûr, je nettoie ici. Donc, je pose tout. Sa petite cabane qu'elle adore. Donc voilà, celle-ci, elle est vraiment incroyable. Donc voilà. Et en fait, j'ai bien fait... Tous ces jouets qu'elle a reçus, ils étaient tous roses. Donc franchement, voilà. En vrai, c'est bien parce que du coup, c'est une fille. Ah, je vois pas les retours. Ça, donc ça aussi, c'est son nouveau jouet. Et je pensais que j'allais en avoir 4, mais je me suis trompée avec l'autre. C'était un, c'était que 2 aléatoires pour 4 balles. J'ai trop le seum. Franchement, ça me pète le seum. Et après, je retire, bon ça, les petits légumes pour nettoyer la caisse. Bon, elle en mange, hein. Et c'est avec ce petit pont là que je vais essayer de faire un tour, vous allez voir de toute façon. Hop, tac, si je vais acheter ça. Donc je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais mais c'est pas bon pour son hamster. Mais en fait je voulais juste tester, parce qu'en fait ça peut lécher ou grignoter. Mais bon c'est pas trop son genre. Regardez, qu'est-ce qu'il a fait. C'est trop bizarre. Du coup il en va vider. Je vais aller chercher toutes ces affaires là-bas et de l'autre côté il y a ses friandises et tout, mais là pour l'instant je prends ses affaires et du coup vous allez voir ce que je vais faire. Donc là j'ai testé un nouveau truc, vous allez voir. Pour commencer je vais prendre son pont qui est là. Bon alors son pont il est vraiment tout petit, mais c'est pas grave, en gros du coup je vais genre un peu le déplier. Alors je sais pas trop comment ils font les gens,
Mais je vais le mettre dans le coin là. Juste ici. Et ouais, je vais le mettre vraiment dans ce coin là. Et je vais monter la mousse en éparpillant. Mais j'espère que genre ça va pas la perturber que je mets son pont comme ça. Mais sinon si ça la perturbe trop, je remettrai normal quoi. Voilà, je suis désolée. Ça a pas filmé. Du coup, j'ai eu le temps de commencer à remplir ça. Mais comment dire, je suis dégoûtée, ça m'a foutu partout dans ma piole. Et puis mon téléphone, il avait plus de batterie. J'avais pris une multiprise pour recharger. Et ça marchait pas. Et puis là, depuis tout à l'heure, j'entends un bruit de clac, 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 comme si quelque chose d'électrique se passait là. Je sais pas. À mon avis, ma mère là va pouvoir m'acheter l'espèce de petit coton que je voulais qu'elle m'achète depuis tes bars. Allez, où ma fille? Ah, elle est derrière ça. Je surveille quand même, mais bon. Et là, vraiment, je veux pas que Volt soit en difficulté quand elle va aller monter, vous savez, pour se laver. Donc, je mets vraiment de la hauteur là. Voilà. Pour, vous savez, pour pas que... Après, j'avoue que là, je dis ça, mais il faut aussi que je mette de la hauteur dans l'autre sens parce que sinon, en fait, elle fait comment pour remonter, quoi. C'est ça le bail. Ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de trouver. Bien sûr, je vais vous mettre la marque de ce que je veux acheter comme coton. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Voilà, là, c'est bon. Je pense que c'est bon. Regardez l'état du truc alors qu'il était tout neuf. Voilà. On va remplir là le côté là. Je prenais du sable de chien chila. Maintenant j'ai trouvé ça à la presse. Donc c'est vrai que c'est bon. Donc du coup je vais lui mettre vraiment tout là. Mais alors là, vous voyez. Ça, j'aimerais genre bien que. Voilà, que ça dégage un peu. Je remplis tout, mais alors là. Ça va faire pipi dedans, c'est sûr. Puis là, ce qui me reste. Là, faut que je trouve une solution pour qu'elle remonte. Crash test. On va chercher le petit monstre. Viens là, ma fille. Hop. Voici notre test numéro 1. Du coup, là, on va lui faire essayer. Regarde. Oh mon pantalon, c'est un truc de fou. Oui. Tu veux pas essayer ce que maman a fait? On va tester de la mettre dedans pour voir. Let's go. Ah ok. Donc en fait limite pas besoin de mettre ça, ça lui sert à rien. Là je viens juste de mettre de la saleté. On va regarder, elle y va toute seule. Non, 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 non. Bon, on va la remettre dans son petit truc. Parce que là, elle veut s'échapper. Écoutez, je vais vider ça. Hein, et tant pis, je le rachèterai. C'est pas le problème numéro 1 des Français. J'ai flop là. Limite. Je peux tout vider. Putain, je vois le truc qui coûte cher, 6 balles. Il voit comment je l'ai vidé là. Ok. Déjà, ça en fait beaucoup plus, regardez. Là ça me fait un truc, alors j'espère juste qu'elle va pas faire pipi parce que si elle fait pipi, je me dis j'ai fini le paquet juste pour elle. Alors ça me ferait chier vraiment qu'elle fasse pipi. Enfin bref, on va tester, hein, voilà. Donc je vais regarder si je peux pas rester
si je peux pas racheter. Après, c'est pas le problème. Ça peut attendre vu qu'elle fait pipi tout le temps. Une fois que c'est comme ça, je vais aller nettoyer le haut, donc c'est-à-dire ici, parce que c'est sale aussi. Et du coup, je retire la première passerelle, donc là, et je retire, c'est pareil, toutes les saletés. Attention ma fille. Attendez, hop, voilà. Ne vous inquiétez pas. Ah. Donc bien sûr, en fait, je regarde aussi que les passerelles soient bien fixées, qu'elles ne tombent pas. La tête. Voilà. Franchement, à la fin de la vidéo, ça va être la catastrophe pour nettoyer. J'ai du truc partout. C'est la merde. Tac. Donc là, je remets les petites passerelles. Donc c'est bon là. Je vais leur mettre tous ses jouets. Donc ça, son petit tube, ses petits trucs à grignoter, donc son petit bâton là. Donc ça, je le mets là, voilà. Hop là. Après, ça, je le mets à côté de sa roue. Tac. Je mets sa petite balancelle là, sa petite carotte, elle est où sa deuxième carotte, elle est là-bas, c'est normal si ça queen, parce qu'au début ça queen mais après ça queen plus parce que j'ai mis du papier, et du coup voilà, et après je vais m'occuper de l'eau et tout, donc le bruit est horrible, et j'utilise ceci, donc je prends encore, ça dépend, ça. Ça de mousse et je le mets à son endroit préféré, c'est-à-dire à côté de la roue. Du coup, je m'occupe de sa nourriture et nettoyer ses trucs pour boire et j'arrive. Pour ceux qui vont me dire, ouais, le biberon, c'est pas bon pour elle, c'est pas bon pour sa posture et tout, je le sais, c'est pour ça que je mets le biberon en haut, pas trop haut, et je mets ça, du coup, en bas à côté de sa roue, comme ça, si elle veut pas boire dans le biberon, elle a au moins un truc en bas. Je remets bien. Ça. Voilà pour qu'on puisse voir ce trou. Ah. Nourriture. Elle a ça. Paquet quand je l'ai acheté. Je mélange les deux parce que madame est difficile. Voilà, du coup, il y a tout qui est mélangé. Mais madame va se jeter sur la nourriture vu qu'elle adore ça. Du coup, voilà. Là, il y a tout de mis. Et puis là, je vais lui rajouter les friandises. Si les friandises en question, il y en a énormément. Par contre, je sais pas ce qu'elle fait là. Elle veut grimper et tout. Ça va pas être possible. Alors, en friandise, je lui mets des espèces de petites boules comme ça, à chaque fois que je lui lave sa cage. Donc là, je sais pas combien il y en a, je crois qu'il y en a 6 par paquet ou 7. 7. Et du coup, là, il va m'en rester 2, mais je lui mets toujours une petite boule. Je sais pas ce qu'elle fait. De friandise, voilà. Après, je mets un peu tout, hein. Ça dépend vraiment. Elle a un petit bâton aussi. Ça dépend parce que dans un petit sachet comme ça. Alors, par exemple, là, je mets des petits pissenlits. Voilà, j'en mets un petit peu. Tac. Et je lui ajoute un petit cœur. Et après, ça, les friandises, je lui donne vraiment par jour. Donc, faut pas s'inquiéter, c'est pas comme si elle avait jamais à manger. Voilà. En totalité sa cage, donc voilà, il y a un peu de tout, et puis là j'aimerais beaucoup qu'elle aille dans ça là, vraiment, parce que ça m'a vidé tout le sable, genre c'est trop beau, j'ai trop bien fait, mais je vais essayer de la mettre dedans pour voir. Non, elle a pas envie, mais en tout cas elle peut ressortir, vous inquiétez pas, c'est pas trop grand. J'espère juste qu'elle va pas faire pipi. Je vous mettrai un choix, je sais pas trop comment on appelle ça, pour vous dire si elle a fait pipi ou pas. Et du coup, je vous laisse sur ce. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis j'essaierai d'en faire plus. Mais je sais pas quoi faire. Du coup, voilà. Bye!